Faudrait que je prenne une voix débile, mais je vois pas dans quel style. Y a plus de trucs sur YouTube. Tu veux faire la phrase débile? Si tu veux. Y a plus que de la merde sur YouTube, les vrais trucs. C'est compliqué. Hein. En plus de vous adresser des messages d'amour. Ce poète-poète à la fin, là. J'espère qu'on l'entend. Ah, j'espère qu'on l'entend pas. Ouais, j'espère qu'on l'entend parce que ça va être drôle pour les scènes. Ah, pour les scènes ratées, oui, mais là, j'étais bien, là, dans le message d'amour. Adakistir et un point sexisme pour Léon. C'est vraiment un mot casse-couille, sexisme. Hein. Il est aussi chiant à prononcer qu'il est aussi chiant dans ce qu'il implique. Adakistir et un point sexisme... Non, mais c'est qui gère la cellule... La cellule... Non, mais c'est qui gère la sécurité du réseau dans la cellule... Ah, c'est ça que j'avais oublié. Non, mais qui se gère de la... Il est vénère le dentiste à côté. Après avoir lutté plus ou moins efficacement contre les premières défenses de l'île, Léon passa les nouveaux gardes recrutés chez Mad Max pour voir Ashley se faire violenter par ses ravisseurs, oui. Après s'être équipé avec des petits malins, cette nouvelle saloperie se régénérait en permanence à moins de lui exploser des parasites avec une lunette à vision thermique rangée dans le frigo. Ah. Cette nouvelle saloperie se régénérait en permanence à moins de lui exploser des parasites visibles. Cette nouvelle saloperie se régénérait en permanence à moins de lui exploser des parasites visibles avec une lunette... Et trouva la cellule d'Ashley qui nécessitait une clé détenue par une... Non. Léon, il est hors de question que je... J'ai frappé le micro, merde. Avec des infectés qui arrivaient à les rattraper... Putain, mais... Avec des infectés qui arrivaient à les rattraper un... putain, mais c'est chiant. C'est gentil de m'apporter la fille, monsieur Kennedy. Grâce à vos parasites, je peux... Non, je peux pas. Et Léon en profita pour récupérer la... secte. Et devint un gourou. Mais pourquoi tu restes là du coup hein? J'ai l'impression de parler en 56K des fois. D'ailleurs, c'est pour comprendre c'est quoi tes gros muscles et ton couteau. Ah, mais les messages Facebook. Mais cassez-vous, putain. J'ai Messenger qui apparaît devant à chaque fois. Recherche stagiaire qui peut faire office de pupitre. A tout hasard, pour ceux qui se demandent, je suis obligé de tenir à bout de bras mon téléphone parce que j'ai pas pu imprimer le texte. Personne n'a joué à Dark Chronicles, Jack. Jack Kep... Bip. Il suivait Ashley à... Non. Il suivit la trace d'Ashley après avoir suspendu... Non. Il suivit la trace d'Ashley après avoir rendu un hommage au film du jeu. Oui. C'est pour moi que tu t'es mis les tétons à l'air. Si quelqu'un passe à côté de la chambre maintenant... Avec un pilote du nom de Mike... Ah. Mais Léon, qu'est-ce qui se passe? Oula. Léon. Ça y est, elle commence à muer. Léon, tu mets... Après des heures de remontée dans cette... Ah, trop de gains. Faut une voix débile. Ça va pas très vite. Ouais, faut... Ça va pas très vite. Tu veux que je refasse la voix de... Ouais. Ah, ça va pas très vite. Ouais, voilà. Tu vois, genre là. Le bon docteur Freeman en avait plein à la combi et devait se rendre au complexe Lambda pour se faire téléporter loin d'ici. Merde. J'ai plié le papier. Le bon docteur Freeman en avait plein... Le bon docteur Fier... Donc maintenant qu'il était énervé, ce n'était pas 2-3 militaires énervés qui allaient lui quitter... Non, je sais pas ce que j'allais dire, mais... Bon, on se moque, mais ils étaient militaires, hein, les vénères. Ils étaient avant tout militaires. Mais aussi, comment voulez-vous prendre au sérieux des gens? Non. Et avec des tanks incapables de se déplacer. J'arrive pas. Et avec des tanks cloués au sol. Plus loin, un barnet agonisant un peu la LED, mais malheureusement pour le sniper, regarde. Oula. Comment ça se prononce s'il n'y a pas le O à Gordon? Après, c'est rassuré qu'aucune menace ne vient... Après s'être assuré qu'aucune menace ne viendrait du mur. J'arrive plus. Oh merde, Darnay. J'entends le chat d'ici. Gordoge. Les gars, on va bombarder la base, on va le dégonner. Le dégonner. Oui. Les gars, on va bombarder. Ah. Quand j'arrive pas à faire une phrase, je crie. Ah. Avec son nouveau meilleur ami en main, le docteur était enfin prêt à exercer. J'arrive pas à articuler. Un petit tour dans le manège à téléportation suivi de quelques rencontres. Il y a le chat d'Aelix qui n'arrête pas de gueuler depuis une heure. C'est insupportable. Gordon se retrouve désarmé face aux... Mais merde. Gordon se retrouve désarmé face aux vendeurs d'assurance dans ce qui semblait être une dimension parallèle sur fond de fir... Gordon se retrouve désarmé face aux vendeurs... Pour discuter. Non. Pour discuter. Je ne sais pas ce que c'est, mais si vous voulez, à la prochaine convention, on pourra discuter. Vu les 1 an et demi depuis le dernier épisode, les commandes étaient quelque peu oubliées et un petit temps de réapprentissage était nécessaire. Du premier coup, putain. Heureusement que l'on pouvait compter sur le colonel... Sur le... Major, non pas colonel. Snake traversa donc la forêt en continuant d'exercer ses techniques d'été... Ah, ça commence déjà à fatiguer. Et de l'autre, Snake qui galérait de ouf. Hein, c'est terrible. Mais est-ce que tu as aimé? Heureusement le caporal Ivan Raidenovich. Oh, ça va être chiant. Heureusement le caporal Ivan Raidenovich. Et si tu t'es...
Et si tu te déguises en lui, tu pourras passer de par l'importance de son grade et son... Putain, faut faire des pauses des fois. C'est la petite salope de Valine. C'est la petite salope Doppelgin. C'est pas facile à dire rapidement. Mais parce que je reviens des appartements du colonel... C'est clair. Pendant ce temps, Volgin passait ses nerfs sur le vieux russe bourré qui les avait trahis avant. Non, mais c'est pas ça. Snake s'introduisit dans la base grâce à son costume de scientifique et surpris. Il traîna ensuite son... Il traîna ensuite son corps dans les escaliers jusqu'à son casier. Il traîna ensuite son corps dans les escaliers jusqu'à son casier. Non, j'y arrive plus. Et oui, erreur stratégique de la part du joueur américain de ne pas avoir pris le cuir. Le cuir, oui. C'est moi qui lui ai mis pour que les cobras puissent le placer. Non, pas placer. Et c'est suspect, du coup, pour lui crever. Pour lui crever ta loyauté, non. The boss dissimula un revolver sur Snake pour l'aider à s'enfuir alors qu'un revolver... Non, un revolver en impair. Non, mais au bout d'un moment, est-ce qu'on avait vraiment pas un seul nez? Non, on n'en avait pas. Snake, tu vas pas me croire, The Sorrow était en réalité un médium mort cobra. Cobra, non. Faut mettre le bon sens. Fais des vocalises. Tu m'entends, Snake? Oula. Tu m'entends, Snake? Oula, c'est super dur de faire cette voix en criant, en fait. Alors, le petit jeune, on va se prendre un pruneau? Je dois tellement forcer sur la gorge que ça me donne envie de gerber, quoi. Alors, le jeune, on va se prendre encore un pruneau? En fait... La clé de cette voix, c'est de ne plus avoir d'air dans les poumons. Tu vas quand même pas te rappeler. Ah, je ne regrette rien. Tout ce que je voulais, c'était de ne pas retourner dans cette maison de retraite. Tout ce que je voulais, c'était de ne pas retourner dans cette maison de retraite. Ça part complètement en couille, je perds la voix toutes les deux secondes. Tu vas pas traverser. Traverser, oui. Oh. 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 Oh.